Coucou tout le monde, on est parti sur un autre épisode de State of Decay 2. On a bien vu que vous vouliez en voir un petit peu plus. Si vous voulez que l'on continue, laissez-nous toujours des petits commentaires, des conseils et des pouces bleus. Ça fait toujours plaisir et ça motive. Et je vois que ton gars est très motivé là, hein, Xav. Je vois à fond la gomme. Alors, juste avant de démarrer, on a fait quelques essais, j'ai même fait quelques petites bêtises. Alors, j'ai désinstallé le générateur à l'infirmerie, ce qui fait qu'il n'y a plus de lumière à l'intérieur, alors qu'on a bien connecté en électricité. Mais au moins, là, on va pouvoir, j'ai suivi votre conseil, et on va pouvoir soigner instantanément nos personnages une fois que l'amélioration est construite. Bah tiens, elle est faite, la mousse est prête, d'accord. J'ai retiré les lits ici en pensant pouvoir mettre la caserne là, parce que là on a choisi un nouveau chef. Je l'ai choisi également, hop, ça va être Alex. Et malheureusement, la caserne doit se mettre à l'extérieur. Donc je suis allé retirer la ferme pour mettre la caserne là-bas. Et il se trouve qu'il faut que la caserne soit construite sur un grand emplacement. Donc je me dis, le grand emplacement serait celui-ci. Ouais, c'est celui-là. Donc on va retirer, on va retirer là le garage. Mais on veut tester avant. Je veux faire de ce personnage un mécano parce qu'on veut tester ce que les améliorations de véhicules font. Donc on va gâcher un peu de ressources. On va apprendre la compétence, même si on vire, le garage. Et on va faire le kit. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Ouh, je l'ai appris et j'ai toujours. Je suis toujours pas considéré un mécanique comme toi, Xav, ton personnage qui a la compétence. Je D'accord. Peux pas. Donc si vous savez ce qui nous manque là, dites-le nous parce que nous on voit pas. J'ai l'impression que d'apprendre la compétence fait monter en XP. Tu gagnes des étoiles, mais il faut quand même continuer à genre quand on fera des réparations, ça augmentera notre XP. Et tant qu'on n'a pas atteint un niveau max, peut-être que c'est à ce moment-là qu'on pourra faire les kits. Pour être franc, je pense pas ça par contre. Parce que tu peux profiter de l'amélioration et des effets de l'amélioration dès le début. Donc je pense pas que ça serait au point qu'il faut maxer la compétence. Ça me paraît un petit peu beaucoup quand même là. Oui. Alors on va mettre la caserne. Ah, j'aime bien dire à Xav qu'il a pas raison. Je vois qu'on peut pas discuter. Mais après peut-être que t'as raison et j'ai complètement faux et là c'est. Moi aussi, je pense plutôt ça, tu vois. Alors, du coup, je vais peut-être remettre notre ferme pour récupérer à nouveau un de nourriture par jour. Vu que, voilà, on la retirera plus tard s'il le faut. Et voilà. Alors maintenant, ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'on peut... tu sais, on a un endroit où on peut stocker du carburant. Je me demande à quoi il sert. Et comment est-ce qu'on peut... Alors, c'est une bonne question. Et sinon, une autre grosse question que j'ai, tu sais, c'est quoi? Vas-y. Comment ça se fait qu'il y ait 5133 su avoir bord avant toi? C'est Eh bien écoute, nous sommes légion. Allez, là. On va conquérir le monde. Alors, on va peut-être aller essayer de trouver des alliés. Ouh, alors attends, on doit parler à qui? Prenez le contrôle de Amy pour commencer à chercher des alliés. Ben, on va faire ça, parce que j'aimerais qu'il y ait plus de monde chez nous, vu que l'on vient d'installer de nouveaux lits. Alors. Je vais changer, j'espère que. Ah, puis comme je suis là, ça va attirer du monde. Hein. Ouais, voilà. T'as vu d'ailleurs, c'est tout de suite des nanas qui arrivent. Comment ça, des nanas? Bah, forcément, je suis là, donc. Ah, voilà, d'accord. Hein. C'est comme dans les pubs pour les parfums. je les attire toutes. Ouais, ouais. MDR. Alors donc, ce moment gênant, enchaînant. Ah, regarde, Xav, si t'es vraiment blessé, maintenant tu peux te soigner directement là, effectivement. À la fin, ah, cool, bah, je suis en pleine forme. Ok, voilà. Bah c'est parti. Par contre, j'ai un petit peu de, tu sais, la jauge de fièvre. Hein, ah ouais, mais ça c'est pas grave, ça. Genre, elle est remplie à un cinquième, quelque chose comme ça. Ouais. Où est-ce qu'il faut qu'on aille, du coup? On va regarder. Oh, c'est pas loin. Quoique non, c'est pas là. Si, c'est loin, un petit peu. J'ai mis un marqueur dessus, je sais pas si tu le vois. Ah bah purée, t'es monté dans ma voiture. Je suis dans ta voiture. C'est pas là où tu as posé ton marqueur. Hein. Si. Ça, c'est une infection, ça. Comment ça, c'est une infection? Clique sur shérif, nouveau voisin, et ça t'amène au sud, là où j'ai mis mon marqueur. Ah mais c'est là où j'ai mon marqueur aussi, non? Non. Bon, je te suis. Pas chez moi, en tout cas. Chez moi, tu l'as mis sur un bâtiment avec une infection. Peut-être après, il y a un petit... Si
Ah, peut-être j'ai fait n'importe quoi, c'est possible aussi. Hein. Bon, bah, faut pas exclure. Hein. On va passer par ton bâtiment et on va essayer de voir s'il y a des survivants quand même et de retirer l'infection. Allez. Oh, t'es parti comme un pêche, je te vois plus. Ok, vas-y, je te suis. Voilà, regarde au loin, il me suit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais où est-ce que t'es passé? Je te vois pas. Attends. Où est-ce qu'il est? Ah, t'as coupé à travers champ. Ouais, ouais. Ok, ouais. Parce que moi, tu sais, je suis le code de la route, je suis quelqu'un de très... voilà. Ouais, j'ai vu ça quand tu as fait un U-turn sur la... sur le... Et ouais, t'as vu, j'ai fait un donut, t'as, tranquille. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'ils ont fait tomber? Non. Alors, du coup... Si, il a fait tomber un remède. Ah, bon, pas grave. On en a une vingtaine. Oh, on en aura d'autres, ouais. Là, ce que je voudrais... Rappelle de cette maison, c'est là où on est mort, quasiment. Là où t'avais klaxonné comme un porc, non? C'était pas là. On peut alors, regardez-le bien, parce que c'est comme ça qu'il a craché la voiture avant. Bon, alors tant pis pour ton endroit, on va au mien. Le tien, on n'y arrivera jamais. Il veut pas se cogner la honte en vidéo. Attends, hey, j'ai essayé de grimper en vidéo là. Donc... Ouais, ouais, c'était déjà scandaleux, ouais. Ah, tu veux dire pour dire que... Ah oui, je viens de comprendre pourquoi tu veux dire que la honte. C'est une autre raison, en plus de... Oui, oui, perdre. Voilà. D'influence. Très bien. Alors on a décidé de visiter un endroit mais pour trouver du carburant vu que quelqu'un est tombé en panne. Ouais, parce que quelqu'un a dû siphonner mon carburant dans la nuit. Et on a trouvé du hurleur mais normalement plein de loot par contre, donc on croise les doigts pour... Ouais, pour l'instant c'est pas foufou hein, plein de loot hein. J'ai trouvé des matériaux de construction. Ouais, vas-y. Trouve-moi tout ça. Il n'y en a pas pour toi, parce que moi j'en ai vu pas mal qui brillent. Bah, je te laisse éliminer les pavots. Ouais, c'est sympa, ils sont des milliards. Hein. Ah bon? Oui. Tu m'en veux pas, mais je cours un peu. Je reviens. Ouais, ils sont une dizaine, quoi. En voiture, c'est pas un problème, mais à pied... Ok. Ça y est, je les ai presque tous éliminés. Juste trois, mais... Oui, oui, bien sûr. Alors. Pendant que Dan est en train d'éliminer mes bonhommes, je vais fouiller. On va ignorer ça. Toujours pas trouvé du carburant par contre? Non, non, non. Là, on cherche, on cherche. Oh, ils me font mal. Tu les as tous tués, j'aime bien. En fait, t'as juste couru. Et mon perso, vraiment, quand il a plus d'endurance, mais c'est une navette, quoi. J'ai plus rien. Mais... Allez. Et je me prends des coups par des zombies invisibles aussi, ça sent embêtant. Ah ouais, ça c'est pas cool, ça, par contre. Du coq. Ah là 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 là. Allez. Ah là là. Ah, en plus mon arme de mêlée va bientôt se péter. Bon bah c'est un fiasco un peu cet endroit quand même hein. Bah on a toujours pas trouvé du carburant et si on en trouve pas ça valait pas trop le coup de passer là. Fontaine d'eau fraîche. Donc tant pis, on va faire voiture commune, il faudra juste se rappeler où est-ce que j'ai laissé la mienne. Ouais. J'ai fouillé là, je crois. Ouais, il y a rien. Allez, ici, là, j'y crois, là. Ok. Ah, je vais lâcher. Ah, kit de réparation. Ah, ça, c'est bien. Ouais. C'est mieux que rien, disons. C'est mieux que rien, ouais. Bah, ouais, on va faire voiture commune, hein. On est reparti? Ouais. Ah, oula, du calme, ça. Calme, ok. Hop. Hop là. T'as qu'à réparer ta bagnole en passant du coup. Ouais, comme ça va faire de la place. Par contre, la mienne elle est à un tiers du carburant aussi. Hein. Juste comme un ça, tiers de carburant. Ouais. Aïe aïe aïe. Je vais mettre des trucs dans le coffre. Il est réparé. Ok. Répare-moi ça bien, non? Voilà. Un petit effort là. Nickel.
Alors, on doit aller... Elle est comme neuve. Faut se rappeler de l'endroit, oui. On s'en rappelle. T'as vu ça? T'as vu ça? Ouais, j'avoue que c'était assez propre, je suis surpris. Tu vas nous péter notre porte, notre armoire. J'avoue que ce serait rigolo. Pouk. Pouk. J'en ai eu un à la portière. Ouais, j'ai vu ça, c'était pas mal. Allez, des plots, hop, hop. Ouh, là, allez, du carburant. Il y a un plot dans la voiture chez moi. Je sais pas si tu le vois. Tout devant. Il est glitché dans la voiture, non, dedans. D'accord. Ok, moi il est glitché sur le... Enfin, glitché, il est coincé dans le pare-brise. D'accord. Bah tiens, là, on va essayer de trouver du carburant, si on a ouais. Ça. Oh, trouver cool. Du carburant, trouvé. Oui, j'en ai. Parfait. Parfait. Oh, dis donc, c'est un laquais, elle est décidément. On se synchronise. Donc je vais remplir la mienne et je te laisserai remplir la tienne. Du coup, on retourne chercher ma bagnole. Oh purée, le sanglant qui était juste à côté de moi. Oh la vache. Faut pas de frire comme ça. On va chercher la tienne carrément. On a besoin d'espace de stockage de toute façon. Oui, tout à fait. Et on arrive au bon endroit. On va se parquer. Et alors, on doit faire quoi? On doit parler à Oscar, des humains vivants au passage. Non, ah, quête, c'est important qu'il soit vivant. D'accord. Ouais. Alors, on va comme elle. Et ils se font attaquer hein, quand même. Hein. Ah voilà. Je te laisse leur parler pendant que je pille leur base. Ah, non, ça c'est Bill. Je veux trouver Oscar. On a Lucy et Oscar. Ok, donc je dois parler à Oscar, mais qui m'envoie parler à Lucy et à Bill. Très bien. Ouh, on peut enrôler le compagnon. Est-ce que ça veut dire qu'ils nous rejoignent? Ah, ce serait cool. On va demander. Alors, ça repousse sur l'individu. Ah, elle est mécano. On va peut-être voir avec Bill. Ah, ça qui... pourrait être bien, ouais. Ah, Bill veut pas nous rejoindre. Bah, le mécano, on a trois mécanos, mais enfin deux avec, si on te compte pas. Ah oui. Dis donc. Forcément qu'on me compte. Voilà, mais il y a un zombie qui a voulu s'inviter. Lui, il était mécano aussi, sûrement. Bon, je suis en train de fouiller, mais il y a rien. Il y a des trucs pour toi, mais pas pour moi. Donc il y a des fêtards à côté. Tu t'es installé pas mal. Oh là là. Et on va devoir parler à Lucy, tiens, c'est bizarre vu que maintenant encore moi elle fait partie de notre d'accord. groupe. Oh là, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir parler hein. Bon, moi j'ai fouillé tout ce que les je pouvais fêtards fouiller, qui mais... vivent à la vache et cochon express. Ah bah c'est. Alors ça c'est une quête, sur le papier elle est belle hein. Vache et cochon express. Ouais. Faudrait pas loin. Et quand même un petit peu kit de réparation. Bah tiens, je vais réparer ton véhicule. Ah super, merci. Je sais pas si tu le mérites franchement. Ça, ouais, attends, Oui, oui, oui. Le tien c'est le plus cabossé, c'est ça. C'est celui-là le tien. Ouais. Franchement, ils sont pas dans des états catastrophiques. Ça fume pas, rien du tout. Ouais. Allez, comme neuf, s'il te plaît. Et t'oublie pas de faire le pare-brise. Hein. Il en veut toujours plus, là, tu lui donnes un petit truc et... Yes, nickel. Alors, je vais poser ça. Tac, tac, je pose des trucs dans ton coffre aussi. Ok. Ah bah non, il n'y a plus de place. Bah, je pose rien dans ton coffre. Moi, dans le tien, tu as encore un peu de place, normalement. On peut peut-être... parce que moi, j'ai des... Attends, j'ai des boulons dans mon coffre, je vais les mettre dans le tien. Okay. Histoire de centraliser, qu'ils soient un peu tous au même endroit, là. Okay. Crac. Ouais. Bon, ça devrait être bon, hein. Ouais. Foyer. Je te suis. Hop, bah, faut faire demi-tour un petit peu à notre. Ah non, faut continuer le chemin. J'ai vu que t'avais écouté, fallait pas. Je suis préparé à retourner le monde. Ouais, tu vois, c'est une preuve de plus, hein, si jamais il en fallait. Alors. Oh là là, les cascades que tu nous as faites, là. Mais il y a beaucoup de bagnoles sur la route là. Ah mais c'est impressionnant. Ouais, c'est je suis déco. Ah on a perdu le Xav, bah, d'accord. Je reviens. Alors, on a récupéré Xav, alors je suspecte qu'il a peut-être essayé de partir discrètement pour me laisser tout faire. Et... Attends, oh elle nous tire dessus. Oh, et c'est qui a klaxonné pour les prévenir. Bah écoute, je voulais faire coucou. Ah, j'ai plus de munitions. Elle tire sur ma bagnole.
Fous les dehors, je vais les écrabouiller comme des porcs. Allez, ça dégage. Ok, je vais dans le véhicule. Ils font mal, hein? Ouais, ouais. Toi, mon coco. C'est un combat tout à fait normal à base de voitures. Eh, hey, mais j'ai l'impression qu'on peut pas les écraser, les gars, il est passé par-dessus ma bagnole. Je sais pas, mais ils sont forts, hein, en tout cas. Est-ce qu'il faut aller les... Non, parce qu'il y en a qui sont blessés, qui appellent à l'aide leurs potes, non? Parce que le truc, c'est que si je me prends des... Attends, je vais la mettre sous ma voiture. Eh, hey, mais c'est ennemi. Qu'est-ce que c'était de ce cirque? Toi. Ah non, c'est bon, c'est calmé, je crois. Ouais, ouais. Non? Ouais, c'est bon, c'est bon. On a été plutôt bon sur ce coup-là, je trouve. Au niveau diplomatie, c'était propre. Ouais. Sac à dos. Bonjour, au fait. Et, mais attends, on se ramène et ils nous attaquent direct, quoi, j'hallucine. Ouais, bah oui, non, mais c'est clair. Bon, ça, c'est peut-être mieux. On va changer. Je vais explorer, hein, tant qu'à faire, les gars ils nous attaquent, bah tant pis, je pille leur maison. Bah maintenant je suis à eux et à nous, hein. Ah bah ça, je vais pas me gêner. Est-ce que j'ai tout fouillé dans pas mal lui encore? On a été sympa jusqu'à présent. Ouh, meilleur ces cadeaux. Ah, t'as combien d'espace dedans? 8. Ah oui, moi je suis qu'à 6 moi. Ah. Voilà. Ok. Bon, rien de foufou chez eux, hein. Et rencontrer les fêtards qui vivent, on est encore dans... La quête a pas été validée, donc il y en a peut-être d'autres dans la maison. Ouais, fouillons. Moi je pille leur frigo dans l'immédiat. Peut-être un fêtard dans le frigo. J'ai un sac de bouffe, ça c'est bien. Ah, ça on en a besoin, donc parfait. Ouais, je te le... Et ce coup-ci, on a bien lu vos commentaires, je le passerai à Dan dans un coffre. Pour pas que ça aille dans ma base personnelle, du coup. Alors. Bon, je vois personne, hein. Il y en a peut-être un coincé sous ma bagnole encore. Je vais regarder. Tu sais, le gars qui se penche sous sa bagnole, hé, hey, il y a un fêtard là-dessous. Ah non, maintenant faut repartir derrière. Ah. Ok. Alors, je me rappelle plus trop lequel est à toi et lequel est à moi, du coup. Ah, ça, c'est à toi. Ouais, c'est celui-là, mien. Ouais. Et elle va nous suivre. Ouais, ouais, ah, c'est ça, elle rentre dans ta bagnole. Ouais, ouais, c'est classe. On va où derrière, là, du coup? Je te laisse. Ouais. Faut faire demi-tour d'où on vient, en fait. D'accord. Wow. Tu m'as fait un petit peu peur, là. T'as eu peur. Bon. Allez. Oula. Attirons tout le quartier. Oh, joli horde, ça. Ah, une horde. Ouais, enfin, je pense, hein, parce qu'ils étaient tous pas contents, là. Comment ils t'évitent, maintenant? Ils deviennent intelligents. Ouais, t'as vu, ils connaissent le goût de mon pare-choc. Voilà, là, on peut ramasser des trucs, je pense, hein. Ouais, ouais, ouais. Je te laisse faire, du coup. Tac. On continue. C'est toi qui as la ramasse. J'ai l'impression que nos bagnoles là, elles économisent plus d'essence. Je sais pas si c'est moi. Ah ouais? Ou alors c'est ça économise de l'essence d'écraser des gens. Ta voiture, elle fonctionne au sang? Ouais. Au sang plomb. Voilà, voilà. Alors, ouais, plutôt vers la gauche là. C'est de là où on vient, du coup, pour l'instant. Hein. Normalement. C'est du mieux ou pas? On était là avant? Non, c'est un autre endroit maintenant. Si, on est passé le pont, non? Okay. Bon, je sais pas. Bah, attends, mais il y a un mec allongé dans le truc, dans la station service, là, j'ai vu là. Ah, il y avait un zombie. Tiens. Endors-toi. 50 d'affluence. Ouh, objectif terminé. D'accord, c'était un... Ah, peut-être qu'on s'était trompé d'endroit. Apparemment, c'est un des gars qui faisait la fête qui avait mis un zombie. Ah, d'accord. Oh, mon perso, il va avoir besoin de roupiller, un de ces quatre. Hein. Ouais. Donc, on va rentrer. Ouh, j'ai trouvé un sac à dos niveau 8 aussi. Ah,
Alors, qu'avons-nous dedans? Ça, c'est bien ça. Ça. Prends. Mais pousse-toi, Lucie! Oh là là, elle veut pas me laisser rentrer. Produit de luxe. En même temps, j'ai rien. Ah si, j'ai des trucs là. Oui, ça fait du bruit. Objet de luxe, très bien. Et un sac avec de la nourriture. Oh, génial, on en avait vraiment besoin et là, on va en avoir un paquet. Il me reste un truc à ouvrir et puis ensuite, on peut se barrer. Ouais. Ouais, bon, ça sert à rien, on se casse. Ah, cardio niveau max, alors je vais spécialiser. Ouais, on va augmenter. Est-ce que moi, je peux spécialiser des trucs? Oui, je peux spécialiser des trucs. Alors, fais-le vite parce qu'il y a une horde qui se ramène. Oui. Voilà. Allez. Tu te sens éliminer un cœur de sang? Ça va être juste, mais on peut tenter. Oula! Hein? Attends, déjà, là, je vais... Tu m'as poussé dans le... Je vais éliminer déjà ceux qui sont collés à ma bagnole. Voilà. Je sais pas si t'as vu, mais il y a du monde qui te suit, hein. Ah, cette efficacité, c'est beau. Ouais. Oh, allez, la deuxième. Tu remarqueras que c'est à chaque fois c'est ton pare-brise qui cogne ma bagnole. Hein. C'est pas l'inverse. Donc, ouais, mais c'est toi qui recule n'importe où. Bon, allez, viens, on va se faire le cœur de sang, on va essayer. Ok, on va essayer. Oh putain, c'est un gros. Oh non, non. Ah, je te le laisse. Ok, le cœur de sang, ouais, c'est là où tu vas, ok. Ah, t'as tu es passé dans un... Mais non! Oh, c'est pas vrai, je suis passé dans un... Toi. Je crois que pour le cœur de sang, on va devoir y aller sans... Je vais avoir un problème. Ouais, ah. Puis c'est pas fou, là. Moi, je suis en train de me... Ouf! Oh, comment tu m'as frôlé! C'était propre. Là, reprends ton véhicule et il faut que tu partes, là, parce qu'il y a le gros... On va lâcher cet endroit. On sait qu'on fasse le cœur de sang, mais on peut pas y aller avec le véhicule. C'est mort, quoi. Est-ce que je vais avoir le temps de démarrer avant qu'il me chope? Oula. Ok. Bon, on rentre. On fait demi-tour, du coup, hein. Ouais. On est là-bas. Go. Alors, regardez ce que l'on a trouvé. Il me fait peur, hein. Allez. Oh. Alors, c'est pas très courageux ce qu'on a fait, mais quand même. Oh, j'ai plus de balles. J'ai plus de munitions. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai rien d'autre. Attends, je peux peut-être te lâcher des trucs. Parce que moi, j'arrive pas à les équiper, mais j'ai des grenades incapacitantes. Je sais pas ce que ça fait. Mais ouais, je pense pas que ça a le tuer. Ça a plutôt ça étourdi, non? Ouais, mais peut-être que du coup, on pourra le taper. Oh. Il a pas l'air incapacité, hein. Non, pas trop, non. Zut. On est bien là, non? On est bien là, c'est bon. Oh, c'est notre base maintenant, on ne bouge plus d'ici. C'est notre maison. On va tester la grenade sur eux. Oh, ça fait des dégâts, hein. Ouais, bah ça les met au sol surtout, ils sont pas morts, t'as vu, ils sont juste KO. Ouais, mais je crois qu'ils ont pris des dégâts, non? Je peux essayer de... Tu penses qu'ils rentrent dans les maisons, le gros? Mais on peut pas rentrer dans les maisons, y a pas de porte. Non, mais... Si, à droite là. Enfin, dans une autre maison. Ah. Il rattrapera pas le temps que j'y aille. Si? Tu peux tenter. J'aime bien quand Dan il m'encourage à fail comme ça. Mais je crois qu'il me regarde moins, hein. Je lui ai fait un peu plus de dégâts que toi. Donc je pense que vu que tu m'as passé tes trucs. On va voir. Non, j'ai rien dit. Je crois qu'il vient vers toi. Ah, oui, je confirme. Il est coincé. Mais. Ah, coincé, il essaie d'avancer, mais il est dans le. Parce que du coup, je peux peut-être l'avoir pendant qu'il est coincé. Non, le problème, c'est que j'ai une chance sur. Bah, la main, quoi. Ah non, tu vois, il va te taper, il est coincé dans le sens, il bouge pas, mais. Il est pas coincé, genre il attaque pas. Hein. Tu vas le prendre en deux, il va te. Elle est où ta bagnole? Elle est là-bas. Hein. Regardez-moi ce héros! Ah! Allez, au revoir! Ah, il est encore coincé! Il est vraiment coincé! Essaye de le taper!
Ou non, mais si tu t'approches, il va taper, hein. Il est coincé, il bouge pas, mais... Ce qu'il faudrait faire, c'est rentrer à la base et chercher des munitions. Alors, attends, essaie de le maintenir là, et moi, je vais chercher. Bah, je le maintiens, c'est-à-dire que je suis là, ouais. Genre pas qu'il se reset, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Hop. Et s'il le faut, prends des dégâts, pour nous. Oui, c'est ça, bien sûr, sacrifice. Alors... Je peux faire un feu d'artifice, si tu veux, ça va être bien. Ah bah, vas-y. Alors, qu'est-ce que ah, et puis il me semble qu'on peut, on peut pas appeler des renforts justement. Ah non, conseil médical. Ah zut. Ok, je vais prendre toi. Bah, il bouge pas, hein, c'est mon pote. Hein. On n'a rien d'autre ? Je pensais qu'on avait plus d'armes. Got no room for that. Ok, je reviens avec des munitions. Ok, bah il est toujours là. Si t'as des grenades, t'as pas des grenades ? Ah, j'ai pas pensé à des grenades. J'y retourne. Je sais pas dans quoi elles sont listées les grenades. Est-ce qu'elles sont listées dans les armes? Non. C'est dans quoi? Non, pas toi. Ah, là-dedans. Molotov, ok. Ça, on va déposer. Lui et moi, on se regarde dans le blanc des yeux. Enfin, du coup, lui, le rouge, mais... Ok. J'ai tout ce que je peux ramasser. Vas-y. Allez, on revient. Et si je me mets en furtif, tu penses que je peux l'avoir en furtif? Tu vas te faire tuer. Tu vas te faire tuer. Xav, il a toutes ses idées. À chaque fois qu'il a des idées comme ça, vous pouvez être sûr qu'il va mourir. Ah, attends, il recommence à courir. Non, non, j'y vais pas en furtif. Ouais, il fait une attaque chargée, mais il est coincé, il est coincé. C'est toi qui veux, c'est toi qui veux. Ouais. Vas-y, mets-lui tout ce que t'as. Oh, 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 oh. Ah, tu t'es fait rect. Mais toi qui as toutes nos armes. Là quoi, je me suis pas tu fait. Tu l'as eu? Ouais, je l'ai fait une fois. Oh, nickel. Super classe. Genre bon, direct, bah, t'as assumé que je me suis fait rect, quoi. Ça veut dire que tu voulais que je me fasse. Ah bah je m'y attendais tellement. Tu as vu ce que tu voulais. Ah mais ouais, ce que je voulais voir. Non, et bah ça nous a rien looté, quelques points. On a rien. Je pensais que coup. Ce serait plus gratifiant. Ouais, ouais. Nous voilà. Bon bah. Bon, continue notre aventure. Bah ouais. Ouh, il y a un hurleur, on rentre, pile quand il y a un hurleur, ouh, et il y a un sauvage. J'aimerais tuer le sauvage avant. Oh, oh. Oh, il y en a plus d'essence. Et je peux pas sortir. Eh ben dis donc, on est arrivé au bon moment. Ouais. Oh. Y'a plus de hurleur. Ok. J'ai plus d'endurance, c'est affreux. C'est la catastrophe. Ouf. Il y en a un qui tambourine à la porte. Non, non, tu ne rentreras pas. Parce qu'on n'a pas de quoi réparer. Bon, alors on va poser tout voilà, ce qu'on quel a. Quel enfer. Ouais, voilà. Oh, ah, moi je vais poser dans le coffre le fameux sac là. Ouais. Non, tu peux le poser. Tu peux le poser le sac. Tu peux le poser directement là. Ah oui, à l'intérieur là, oui, là oui. Où tu m'avais montré. Hop. Et je vais chercher ce qu'il y a d'autre. Alors on a deux véhicules sans carburant. Je sais pas comment en obtenir plus qu'on en a dans la base, mais j'ai pas l'impression que ça fait le plein en fait des véhicules. Ouais, non, ouais, ça, ouais. C'est juste pour l'électricité. Alors est-ce que je peux te donner du loot? Ouais, je vais te donner tout ça. Hop, on se bloque. Ah. Alors. Tac. Ah, matière première. On va poser le reste là. Et moi je vais changer de perso. Parce que le mien il est au bout du rouleau. Alors. L'endroit où les gens dorment. Donc normalement. Normalement on est bon. Alors je vais dire. Ah, menacer cette enclave, je peux. Ah ouais, tu peux faire des menaces carrément quoi. Ah, oh. See you around. Je pensais que Lucie nous rejoindrait, mais non, elle nous rejoint pas, elle nous accompagne pour détruire. Ah, on a fait son taxi. Voilà. Ok. Et donc maintenant elle repart. Alors. Ah bah super Lucie, hein, GG, hein. Bel état d'esprit. Ouais, un peu déçu là. Faudra aller voir si on peut. Si on peut la recruter. Alors toi, je peux te. Contrôler, ouais, allez, on va reprendre Alex.
Parfait. Ok. Et j'ai la Là, j'ai de l'essence sur petite. moi. Ah, parfait. Bah, fais-nous le plein. Ah ouais. Alors attends, je vais prendre déjà des munitions et tout ça. Parce que bon. Pas que c'est flippant, mais attention quand même, hein. Oh là là, c'était pas évident. Et alors, qu'est-ce que j'ai construit? J'ai rien mis d'autre. Ouais. Ah, ça y est, maintenant il y a de la lumière à nouveau, c'est bon. On a de la lumière à Ah, l'intérieur. super. Génial. Ça, c'est cool, ça. Ouais, et je sais pas trop quoi mettre dans le dernier emplacement à l'intérieur. Ah, l'atelier, on a besoin de l'atelier. Il est Ok. indispensable, on va le construire dedans. C'est parti. Elle est bien défoncée, ta bagnole, quand même, Ah bah c'est le sauvage là, au bout là, tu sais, le gars qui est pas hein. prévu là. Il nous attendait, en fait. Ça faisait une Hein. demi-heure qu'il tapait du pied, tu sais. Ouais. Bon, alors, il se dépêche, ouais. Et on n'a rien pour réparer. Hein. Ok, j'ai fait Ah le si. plein. Si. Un Ah. kit de réparation. Oh, nice. Oh, elle se barre! Mais si, oui. Elle se barre! Bah oui. Bah, bon courage, Luffy, hein. Elle va à pied au milieu de tout. Il y a une horde là-bas. Vous êtes tranquille. Elle y va à pied. Amuse-toi bien, Luffy, hein. Oh là là, ok. On va peut-être l'aider parce qu'on aimerait bien qu'elle survive pour la recruter plus tard. Allez. Attention. Oh la vache, comment tu m'as frôlé. En même temps, là tu m'as impressionné parce que pour le coup, t'es passé à 2 cm et j'ai même pas eu de dégâts. Bravo. Par contre, alors pour Lucie, je sais pas trop. Elle se tire, hein. Elle se tire vraiment. Ouais, Elle a plus rien à bah faire de nous. oui. Ouais. Elle rigole pas. Elle rigole pas du tout. Elle a Bon. pas peur. Alors, oh, bah tiens, c'est la nuit, ça va être le moment de. Deux. Regarde. Je me demande si on en a un autre. Ah oui! C'est bien en plus, ça va attirer personne, ça. Wouhou! Attends, je vais faire la fête aussi. Comment qu'on fait les emotes là, les. Je sais pas, parce que moi je suis sur la manette, donc j'aurais du mal à te. Allez, c'est pas grave. Ah, ça aurait été cool d'en avoir un paquet, de tous les poser et d'avoir le. Ouais, ça aurait été marrant, j'avoue. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouh, t'entends le bruit? Ah, c'est chez toi. Ouh, J'ai regarde, rien dit. regarde, Oula! Pour qui se prend lui? ouais, c'est ça. Bon, bah, je pense qu'on est bon pour cet épisode, vu qu'il fait nuit, que l'on a. Ouais, ça a été un épisode un peu difficile. Ouais. Difficile, pardon, mais intéressant tout de même. Ouais, J'ai et appris des choses. on a amélioré notre base. On devrait, je pense, bientôt pouvoir chercher une mieux plus grande. Je comptais vraiment recruter plus de gens, mais je suis désolé, on n'a pas pu le faire parce qu'on a besoin de 7 gars pour déblayer cet endroit et avoir un emplacement de construction en plus. Donc, à faire plus tard. Quand on aura... Je comptais vraiment sur Lucie et Lucie nous a un petit peu trahi là. Elle nous a un peu déçus, ouais. Sur ce move-là, c'était pas foufou quand elle s'est barrée en courant, là. Ouais. J'ai eu envie de lui lancer un truc vite fait pour qu'elle revienne, là. Et C'est genre non, entre les omoplates. voilà. Comme d'hab, hein, l'examen spécial, le couteau. C'est ça. Voilà. Entre, hein, voilà, c'est ça. Et Un donc petit peu voilà, donc bah, triste. nous on va s'arrêter là et on vous dit bah, à bientôt sur une autre vidéo. Pensez au petit pouce bleu et tout et on va voir comment est-ce qu'on peut développer cette base si vous voulez en voir un petit peu plus. À bientôt. Ah, ciao, ciao!